crois que l'autre il est dans le machin vert. Voilà, il n'y a pas de plante là. Là, si, mets tout, décale-toi. Tu vois bien là. Non, non. Là, tu peux pas venir voir. Hein. C'est super frais. C'est génial, oui. Thank you.
là-bas, il y en a. Mais ils sont toujours les adolescents. Ils ont 3 ans et demi environ. Donc à l'âge adulte, à 4 ou 5 ans, ils vont peser jusqu'à 125 kilos, donc un petit peu plus lourd. La durée de vie d'un poil géant, c'est entre 26 à 30 ans. Mais en fait, il y a un individu qui s'appelle Bao Bao, qui habite dans le zoo de Berlin, qui a 34 ans. Mais il est vraiment très très vieux, ça c'est un petit peu exceptionnel pour un poil géant. Le poil géant est aussi parti de l'ordre des carnivores. Mais à votre avis, que mangent les poils géants? Oui, bambou, et c'est évident, en ce moment, ils mangent beaucoup 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 de bambou. Mais aussi de temps en temps des petits mammifères, comme les rongeurs, ou des œufs ou des insectes. Ça c'est une blague évidemment. Le poil géant est mature sexuellement à partir de 4 ou 5 ans. Et il y a ovo-implantation différée chez le poil géant. Ça c'est un petit peu compliqué, donc je vais expliquer. Après fécondation, l'œuf stoppe son développement. Et puis il continuera son développement plus tard, afin que la naissance arrive en été ou au printemps, lorsqu'il y a beaucoup plus de bambou, donc le lait maternel est de meilleure qualité. La période de gestation d'un poil géant, c'est entre 4 et 5 mois. Et à la naissance, le petit pêche jusqu'à 110 grammes. C'est la même poids d'un pot yaourt. Et en plus, ils sont nus, aveugles et roses. J'ai une autre petite question pour vous maintenant. Donc, à votre avis, la femelle panda a combien de bébés à chaque naissance? Oui, mais après, il va peut-être le manger. Ah oui, bah, c'est un coup, hein.